think that should be made available, because if we don't do so, we will leave too many people behind. Thank you very much. Thank you. Excelentísimo señor Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, excelentísimo presidente Gustavo Petro y Cyril Ramaphosa. Agradezco ante todo la invitación a participar en esta cumbre para un nuevo pacto financiero global que podía ser otro punto de partida hacia un proceso intergubernamental más amplio de discusión y toma de decisiones en el marco de las Naciones Unidas. Oui, vos excellences, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, chef de délégation, Mia Motley, aussi Gustavo Petro. C'est vraiment un plaisir et je voudrais remercier l'invitation à participer à ce sommet pour un nouveau pacte financier global qui pourrait être un nouveau point de départ vers un processus intergouvernemental et de discussion et prise de décision dans le cadre des Nations Unies. Asistimos a esta cita con la enorme responsabilidad que significa para Cuba presidir el Grupo de los 77 y China, la agrupación más representativa de naciones en desarrollo y la que históricamente ha sido bandera y portavoz de los reclamos que hoy nos reúnen. Nous assistons aussi à cette forum, cette rencontre avec une énorme responsabilité qui signifie pour Cuba être à la présidence du groupe des 77 plus la Chine, l'agrupation la plus représentative des nations en développement et qui historiquement a été le drapeau et le pourparleur des quêtes qu'aujourd'hui nous réunissent. No revelo ningún secreto si afirmo que las consecuencias más nefastas del actual orden económico y financiero internacional profundamente injusto, antidemocrático, especulativo y excluyente, gravitan con mayor fuerza sobre las naciones en desarrollo. Je ne veux pas révéler aucun secret si j'affirme que les conséquences les plus néfastes de l'ordre économique et financier actuel international, qui est profondément injuste, antidémocratique, spéculatif et excluant, pèsent avec plus de force sur les nations en développement. Son nuestros países los que han visto su deuda externa prácticamente duplicarse en los últimos 10 años, los que han debido gastar 379 mil millones de dólares de sus reservas para defender sus monedas en 2022, casi el doble de la cantidad de nuevos derechos especiales de giro que les asignó el Fondo Monetario Internacional. Ce sont nos pays qui ont vu sa dette externe pratiquement se duplier pendant les 10 dernières années, ceux qui ont dû prendre 379 milliards de dollars de ses réserves pour défendre ses monnaies en 2022, presque le double de la quantité de nouveaux droits spéciaux de virement qui ont été assignés par le Fonds monétaire international. En semejantes condiciones défavorables, el sur no puede generar y acceder a los 4,3 billones de dólares anuales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la década de acción restante. Nuestros pueblos no pueden ni deben seguir siendo laboratorios de recetas coloniales y de renovadas formas de dominación que emplean la deuda, la arquitectura financiera internacional actual y las medidas coercitivas unilaterales para perpetuar el subdesarrollo e incrementar las arcas de unos pocos a expensas del sur. Urge, como la mayor de todas las urgencias, un nuevo y más justo orden internacional. Dans des conditions telles et défavorables, le Sud ne peut pas générer et accéder aux 4,3 billions de dollars annuels qui sont nécessaires pour arriver aux objectifs de développement durable pendant la décennie qui reste. Nos peuples ne peuvent pas ni doivent être des laboratoires, des recettes coloniales et des formules rénovées de domination qui emploient la dette, l'architecture financière internationale actuelle et les mesures coercitives unilatérales afin de perpétuer le sous-développement et agrandir les arcs de très peu à expense du Sud. Il devient urgent, pour la plupart et la majeure des urgences, un nouveau et plus juste ordre international. Para ello será esencial encarar, como se ha discutido en el día de hoy aquí, una reforma de las instituciones financieras internacionales, tanto en cuestiones de gobernanza y representación como de acceso a financiación, que tenga debidamente en cuenta los legítimos intereses de los países en desarrollo
y amplíe su capacidad de decisión de las instituciones financieras. Pour atteindre cela, va être vital et indispensable faire face à une réforme des institutions financières internationales, autant dans les questions de gouvernabilité et de représentation, ainsi que l'accès au financement qui aille du compte des intérêts légitimes des pays en développement et qui va élargir sa capacité de prise de décision dans les institutions financières. En plein siglo XXI, est inacceptable que la mayoría de las naciones en el planeta se nos continúen imponiendo instituciones obsoletas heredadas de la Guerra Fría y de Bretton Woods, alejadas de la actual configuración internacional y concebidas para lucrar con las reservas del sur, perpetuar el desequilibrio y aplicar recetas coyunturales para reproducir un esquema de colonialismo moderno. En plein XXIe siècle, il devient inacceptable que la majorité des nations de la planète continuent à imposer des institutions qui sont dépassées, héritées de la guerre froide et de Bretton Woods, qui sont éloignées de l'actuelle configuration internationale et conçues pour recevoir de l'argent et des réserves piquées, des recettes et des formules, des conjonctures pour reproduire un schéma de colonialisme moderne. Necesita una pronta y considerable recapitalización de los bancos multilaterales de desarrollo para mejorar sus condiciones de préstamo y satisfacer las necesidades financieras del sur. Ello incluye el llamado a los países con derechos especiales de giro no utilizados para que los reorienten hacia estos bancos y los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus necesidades, circunstancias especiales y vulnerabilidades. On a besoin d'une considérable et souvent recapitalisation des banques multilatérales de développement pour améliorer ses conditions des emprunts et satisfaire aux besoins financiers du Sud. Cela inclut ce qu'on appelle les pays avec les droits spéciaux vers des banques et des pays en développement, tenant compte de ses besoins, circonstances spéciales et vulnérabilités. Deben incrementarse los préstamos oficiales para el logro de los objetivos de desarrollo. Nuestros países necesitan recursos adicionales que sean respaldados con acciones concretas en materia de acceso a mercados, creación de capacidades y transferencias de tecnología. Urge además el establecimiento de medidas de progreso en materia de desarrollo sostenible que vayan más allá del Producto Interno Bruto, para definir el acceso de los países en desarrollo a la financiación favorable y a la cooperación técnica adecuada. Il faut augmenter les emprunts officiels pour arriver aux objectifs de développement durable qui soient soutenus par des actions concrètes en matière d'accès au marché, la création des capacités et le transfert des technologies. Il faut promouvoir aussi une coopération fiscale qui soit inclusive et efficace au cadre des Nations Unies et la rationalisation du rôle des agences de qualification de crédit. Il devient aussi important d'élargir et d'accomplir d'une fois l'engagement qui a une longue date des pays développés avec l'assistance officielle publique au développement. Il devient urgent l'établissement de mesures de progrès en matière de développement durable qui aille au-delà des produits du PIB pour définir l'accès des pays en développement aux financiations dans des conditions favorables ainsi qu'à la coopération technique appropriée. Debemos tener también en cuenta que el cambio climático ha transformado la naturaleza de los retos del desarrollo. Por consiguiente, la agenda climática internacionalmente acordada debe aplicarse de acuerdo con el principio de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Le changement climatique a transformé la nature des défis et des enjeux de développement. Il faut alors une agenda climatique internationalement accordée qui s'applique selon le principe d'équité et de responsabilité en commun mais différenciée et des capacités respectives. Resulta profondamente decepcionante que la meta de movilizar 100 000 millones de dólares al año y hasta 2020 como financiación climática nunca se haya cumplido. Si sumamos a ello la acumulación de los incumplimientos y el impacto de la inflación, esta meta, que nunca estuvo basada realmente en las necesidades y prioridades
de los países en desarrollo, ni la ciencia es considerablemente mayor. Il est profondément décevant que cet objectif de mobiliser 5 milliards de dollars par an jusqu'à l'année 2020 pour financiation climatique n'a été jamais accompli. Si on ajoute à cela l'accumulation des non-accomplissements et l'impact de l'inflation, cet objectif n'a pas été vraiment basé sur les besoins et les priorités des pays en développement, ni en la science qui est considérablement majeure. Excelencias, ha llegado el momento de enviar un mensaje político claro que renueve nuestro compromiso colectivo de aplicar la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Vos Excellence, il est devenu le moment pour envoyer un message politique clair qui renouvelle notre engagement collectif d'appliquer l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Deben replantearse las bases actuales que definen las relaciones norte-sur y la coexistencia en el planeta. Il faut faire une nouvelle analyse de tout ce qui est important pour voir une existence de prospérité et justice sociale dans la planète. Concluyo con un interrogante y una advertencia que nos dejara Fidel hace casi 10 años, y cito: si hoy resulta posible prolongar la vida, la salud y el tiempo útil de las personas, si es perfectamente posible planificar el desarrollo de la población en virtud de la productividad creciente, de la cultura y el desarrollo de los valores humanos, ¿qué esperan para hacerlo? ¿Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre? Fin de la cita. Je voudrais finir avec une question et aussi un appel à l'attention qui nous a laissé fidèle. Ça fait presque 10 ans et je voudrais citer: si aujourd'hui il est possible de prolonger la vie, la santé et le temps utile des personnes, si cela est parfaitement possible de planifier le développement de la population en vertu de la productivité croissante, la culture du développement et des valeurs humaines, alors qu'est-ce que nous attendons pour le faire? Ce sont les idées justes qui vont triompher ou bien le désastre? No pasemos a la historia como los líderes que pudimos marcar la diferencia en el destino común y fuimos incapaces de lograrlo. No ignoremos las alertas, no subestimemos las urgencias. Actuemos con sentido de especie en peligro de extinción. Actuemos con sentido de humanidad. Muchas gracias.